le blocage à la tête. Voilà, il est derrière, ça se protège. L'USC va nous aider à construire des infrastructures, va nous aider à développer la télévision, va permettre à l'État français de gagner, de mettre de l'argent de côté. Malgré la non-diffusion du MMA en France jusqu'ici, on comptait quasiment 250 000 spectateurs, téléspectateurs sur le MMA, ce qui est déjà énorme au regard de certains pays qui ont le MMA comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme la Belgique. On est en pole position, on est dans le top 10 des pays où le clic sur le MMA, sur l'UFC, a le plus fonctionné. Je vais pouvoir avoir l'opportunité de combattre devant ma famille, devant mes amis, devant les fans, parce qu'il y en a beaucoup en France. J'espère que la légalisation du MMA en France va pouvoir donner beaucoup plus d'exposition aux combattants français. L'UFC, c'est comme on dit les Jeux Olympiques. Donc tout combattant a pour objectif de signer à l'UFC. C'est une grande reconnaissance pour sa carrière.